Voilà. Bonjour Michel, je suis heureux de vous accueillir pour une petite conversation supplémentaire. On a déjà effectué quelques conversations et la thématique d'aujourd'hui, je suis très contente qu'on l'aborde, c'est naissance, natation et transcendance. Alors déjà là, Michel, je sais que vous définissez régulièrement, vous le dites tout le temps, comme un étudiant interdisciplinaire en nature humaine. Mais alors là, voilà un titre, on se dit, qu'est-ce que ça a à voir, naissance, natation et transcendance? Est-ce que vous pouvez nous mettre sur la voie et un peu éclairer notre lanterne sur cette thématique que, je précise, que vous avez choisie vous-même, bien entendu? Oui, bien, il faut voir pour point de départ ce qui caractérise l'être humain, ce qui rend l'être humain tout à fait particulier si on le compare à tous les autres êtres vivants, tous les autres mammifères en particulier, et même les autres primates. Qu'est-ce qui nous caractérise? Bien, c'est notre énorme, gigantesque, puissant cerveau. Et en particulier, la puissance de ce qu'on peut appeler le nouveau cerveau, celui qui est récent dans l'histoire des espèces animales, des espèces de primates, celui qui est récent. Récent, ça veut dire nouveau, ça veut dire, ben, on l'appelle le néocortex. Donc, ce qui caractérise l'être humain, c'est un puissant nouveau cerveau, un puissant néocortex. C'est ce qui nous rend tout à fait particuliers. Et cette puissance de ce néocortex. Alors, le fait que jusqu'à présent, on ne considérait ce néocortex, ce puissant néocortex, avant tout comme un outil, et presque uniquement comme un outil qui nous permet d'avoir des activités qu'aucun autre être vivant ne peut avoir. C'est parce que nous avons développé un énorme puissant néocortex que nous pouvons en ce moment communiquer entre la Normandie et la Grande-Bretagne, nous voir, parler, échanger. Nous pouvons envoyer des êtres humains dans la Lune, nous pouvons résoudre des équations du deuxième degré. Tout ça, il n'y a que l'être humain qui sait faire ça grâce à cause de ce puissant, puissant néocortex. Mais le fait est que jusqu'à une époque récente, on ne pensait à cette puissance du néocortex que dans une seule direction. Le néocortex, c'était un outil. C'est un outil qui renseigne sur le temps, qui renseigne sur l'espace, qui facilite la communication. C'était un outil. Alors là, ce qui est nouveau, ce qui est important, ce qu'il faut souligner, et c'est le thème principal de notre rencontre, c'est que ce puissant néocortex, ce n'est pas toujours un outil. Il peut exercer sa puissance de deux directions. Il peut être un outil, mais il peut aussi être un agent inhibiteur. Il peut gêner des fonctions physiologiques, ce qu'on appelle l'inhibition néocorticale. Alors aujourd'hui, c'est nouveau, on peut dire, comme façon de penser. Eh bien, il faut voir ce néocortex, caractéristique humaine, de façon nouvelle. Il est puissant, mais il est puissant dans deux directions possibles. Et l'une d'elles, c'est d'inhiber, c'est de gêner des fonctions physiologiques, ce qu'on appelle l'inhibition néocorticale, qui doit être aujourd'hui considérée comme une clé pour comprendre certaines fonctions physiologiques et la nature humaine en général. Alors, une bonne façon d'illustrer ce que je viens de dire, c'est de prendre des exemples et de réunir sous un même titre des sujets tels que l'accouchement, la natation et l'accès à la transcendance. Donc voilà, j'explique tout de suite ce titre un peu bizarre, un peu baroque. Il faut tout de suite en comprendre la raison d'être. Ce sont les avancées rapides actuelles en neurophysiologie. Alors, on aura l'occasion d'évoquer l'activité néocorticale en tant qu'agent inhibiteur. Par exemple, agent inhibiteur de l'odorat. Oui, c'est très facile à prouver. Ça a été prouvé par des méthodes scientifiques. Mais je peux résumer ça très vite. On sait que l'odorat humain, en général,
plutôt faible, ben, il y a une façon de le rendre beaucoup plus fort, c'est de boire un verre de vin. Le verre de vin réduit l'activité néocorticale, on est un petit peu, et puis notre sens de l'odorat est aiguisé. C'est tout simple, c'est tout simple. Il y a aussi ce qui est bien compris, surtout par les lecteurs des livres de ressources primordiales, les réflexes Et les réflexes primitifs, les archaïques, réflexes primitifs. archaïques. Oui, primitifs, selon les époques, on préfère un Voilà. mot à un autre. Donc, disons les réflexes primitifs. De mon temps, c'était plutôt les réflexes archaïques. Non, mais archaïque, c'est très bien. Les deux se disent archaïque. J'aime beaucoup ce mot, archaïque, c'est très, très bien. Oui. C'est ça. Comme le. Bon, il y a le réflexe de Moreau, il y a la succion, il y a l'appréhension, il y a le réflexe de fouissement. Bon, ce sont des réflexes dont dispose l'être humain, mais seulement jusqu'à un certain âge. On met en évidence dans la période néonatale, peu de temps après la naissance, mais après 3 ou 4 mois, ça disparaît. Ça disparaît. C'est le néocortex qui inhibe. Donc, voilà un petit peu la raison d'être de cette rencontre. C'est une caractéristique humaine qui se précise, qu'il faut illustrer, qu'il faut faire comprendre. C'est ça. Nous sommes à un tournant dans la compréhension de la nature humaine. Et nous sommes des étudiants en nature humaine. Donc voilà un petit peu Très bien. Oui, la oui, oui. raison d'être de Oui, notre rencontre de ce titre. vous avez tout à Et fait je dois raison. dire qu'un Oui. éditeur comme ressource primordiale, c'est l'éditeur idéal pour un tel sujet, avec tout ce qui est primordial, y compris les réflexes primitifs, archaïques, etc. Voilà, tout à fait. Ben, C'est vous avez raison de souligner ce point, parce que moi, souvent, au lieu d'appeler ça les réflexes primitifs ou archaïques, j'aime les appeler les réflexes primordiaux, dans le sens où vous dites que, Oui. effectivement, les réflexes vont s'inhiber, mais en cas de stress, en cas de danger, en cas de pathologie, en particulier des déficiences neurologiques, ou en cas de vieillissement, ou de certains problèmes, les réflexes peuvent ressurgir. C'est-à-dire que l'inhibition ne se fait plus, et donc ces réflexes archaïques n'ont jamais réellement disparu, ils ressurgissent. Ils peuvent ressurgir dans certaines Peuvent... conditions C'est ça. pathologiques, C'est ça. et puis à un certain âge. Alors, je ne me suis pas exploré personnellement, mais étant Non. nonagénaire, il est possible que certains des réflexes archaïques soient réapparus, j'en sais rien, je préfère ne pas chercher. Non, alors, on dit le vieillissement, en fait, ce n'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire, ce n'est pas le vieillissement, c'est quand on a un vieillissement qui est déficitaire, c'est-à-dire où les gens sont proches de la mort et sont en souffrance et en pathologie et en maladie. Une personne âgée et même de votre âge en bonne Oui, santé, il n'y a pas de raison c'est que pas ça ne l'âge soit. chronologique, Voilà, ce n'est pas l'âge c'est chronologique, l'âge exactement. physiologique plutôt que l'âge chronologique. Voilà, exactement, exactement. C'est pas du tout la même chose. Et donc, Oui. pour donner, pour illustrer votre propos, la thématique dit naissance. Et vous savez très bien que la plupart de nos lecteurs et des gens qui nous écoutent ont un intérêt très particulier pour la naissance. Et donc, est-ce que vous allez nous parler de la naissance en lien avec ce principe d'inhibition néocorticale ou qu'en est-il à... Vous Bien, êtes quand même considéré on comme, peut dire excusez-moi, ça. un expert du sujet et un passionné du Bien, sujet. oui, on peut dire que c'est un sujet nécessaire. On a l'occasion d'offrir ou de rendre accessible une nouvelle compréhension de la physiologie de l'accouchement, et ça devient urgent parce que ça fait 10 000 ans que l'accouchement est socialisé. Et en règle générale, les milieux culturels ont introduit, transmis de génération en génération des croyances, des rituels, des points de vue, des doctrines, des conditionnements qui font que on ne comprend pas aujourd'hui la physiologie de l'accouchement. On ne comprend pas les besoins de base de la femme qui accouche. Et soudain, on a l'occasion d'introduire une nouvelle façon d'aborder ces sujets. Et c'est urgent.
C'est urgent quand on pense qu'aujourd'hui, à l'échelle planétaire, à une époque où on dispose d'une pharmacologie bon marché et efficace qui remplace les hormones naturelles, à une époque où on fait des césariennes avec beaucoup de sécurité, eh bien, on a atteint, et à une époque où on ne comprend pas la physiologie, on est arrivé au point où le nombre de femmes qui mettent au monde le bébé et le placenta, grâce à la libération d'un cocktail hormonal spécifique, ce nombre est devenu insignifiant. Et ce cocktail hormonal, c'est un cocktail d'hormones de l'amour. Voilà, donc rien que ça, c'est dit, ben, ça devient urgent. On a rendu inutiles les hormones de l'amour dans cette période critique de l'accouchement, de la période critique de la vie humaine. Bien, c'est sérieux, c'est sérieux. L'amour, ça doit servir à quelque chose. C'est sérieux. Et ça vaut la peine de souligner qu'il devient possible de redécouvrir les besoins de base de la femme qui accouche à la lumière de la neurophysiologie moderne. Pour cela, il y a un point important. C'est qu'il faut prendre pour point de départ la bonne question. Quand on étudie un sujet, quand on veut l'approfondir, l'essentiel, souvent, c'est de prendre pour point de départ la bonne question. Or, aujourd'hui, lisez les livres de physiologie de l'accouchement, les traités pour sage-femme, pour médecin, etc. Ils prennent toujours le même point de départ. Leur question est: pourquoi l'accouchement de l'espèce humaine est-il difficile? Voilà. Et à partir de là, ils aboutissent toujours aux mêmes conclusions. Bah, c'est pour des raisons mécaniques. Il n'y a qu'à regarder la forme du crâne du bébé, sa dimension, la forme le squelette maternel, ses dimensions. Pour des raisons mécaniques, l'accouchement est difficile dans l'espèce humaine. Point. On ne va pas plus loin. Qu'est-ce qu'on peut... Il n'y a pas besoin d'étudier plus la physiologie, puisqu'on ne peut pas changer le squelette maternel, etc. Donc, là, on est, jusqu'à présent, on était dans une impasse. Et soudain, tout vient différent. Devient différent si on pense à prendre pour point de départ la question utile. Il faut toujours prendre pour point de départ la question utile, elle est tout à fait différente. La question utile, c'est pourquoi, occasionnellement, des femmes qui n'ont rien de particulier sur le plan morphologique, voilà, eh bien, accouche rapidement, facilement, très vite. Voilà pourquoi ces discordances entre des femmes qui ont à peu près le même squelette, mais qui, après 3 jours de travail difficile, vont avoir besoin d'une césarienne, puis d'autres qui accouchent à toute vitesse. C'est ça la question utile. Alors, lorsqu'on parle, prend ce point de départ, eh bien, on réalise qu'on a surestimé l'importance des facteurs mécaniques. Ils ne sont pas si importants que cela. Alors, il est certain qu'aujourd'hui, avec l'essor de la neurophologie, de la neurophysiologie, on est tenté de se dire, bah oui, il ne faut plus être obsédé par les facteurs mécaniques, on les surestime. Qu'est-ce qui est important dans l'espèce humaine? Qu'est-ce qui caractérise l'être humain? Bah, ça nous amène à ce puissant néocortex et ça nous amène à évoquer le fait que l'activité néocorticale n'est pas toujours positive, elle est puissante, mais ce n'est pas toujours une aide. Au contraire, ça peut avoir des effets inhibiteurs. Voilà. Et ben voilà ce qu'on est en mesure de comprendre aujourd'hui. Et de comprendre la solution que la nature a trouvée pour rendre l'accouchement facile, possible au moins, et même éventuellement facile dans l'espèce humaine. Eh bien, la solution est relativement simple. Le néocortex, le puissant néocortex, eh bien, il faut qu'il se mette au repos. Il faut qu'il cesse son action inhibitrice. Il doit se mettre au repos. Ben voilà, c'est une clé aujourd'hui pour comprendre la physiologie de l'accouchement. Et c'est une clé que certains peuvent encore comprendre, peut-être comprendre même au XXIe siècle,
Oui, on est au 21e siècle. On est bien au 21e siècle, oui. Ça change tellement vite. Même au 21e siècle, il y a des gens qui savent encore que quand une femme accouche très rapidement, très facilement, elle a à peine le temps de réaliser qu'elle est en travail, le bébé est né, eh bien, elle donne l'impression de se couper du monde, d'oublier tout ce qu'elle a lu, tout ce qu'elle a appris, tous ses plans, etc. Elle est un peu comme sur une autre planète. Elle a des comportements bizarres de la part d'une femme civilisée. Elle ose crier, elle ose jurer. Des comportements auxquels on n'a pas fait attention. Je viens d'être intéressante. Les femmes qui sont en plein travail, efficaces, elles perçoivent des odeurs que d'autres ne perçoivent pas. Alors ça, c'est extrêmement important, c'est trop important, puisque l'odorat, on le sait, est inhibé par l'activité néocorticale. Et puis elles se retrouvent dans des positions inattendues, imprévues, imprévisibles, primitives, des positions de mammifères. Et puis les jours suivants, elles se souviennent plus très bien de ce qui s'est passé. Bon, c'est évident que ces femmes qui sont devenues extrêmement rares, il y en a plus beaucoup, c'est très rare, en fait, elles pouvaient accoucher grâce à la mise au repos de leur néocortex, de cet agent inhibiteur qu'est le néocortex. Alors à partir de là, il y a une raison d'optimisme. Il n'est pas exclu, si on accepte de prendre en considération ce que nous apprend la neurophysiologie, il n'est pas exclu qu'on redécouvre les besoins de base de la femme qui accouche après 10 000 ans de socialisation. Et plus l'accouchement était socialisé, plus étaient puissantes les activités néocorticales. Quand la socialisation stimule le néocortex par le langage, par le fait de se sentir observé, par une foule de facteurs. Alors voilà un peu où on en est aujourd'hui. Une bonne façon donc de comprendre ce concept Oui. d'activité néorticale complexe, puissante, mais qui peut agir dans un sens ou dans l'autre, c'est de prendre pour point de départ comment on est en mesure de comprendre la physiologie de l'accouchement. Donc voilà où on en est aujourd'hui à ce sujet-là. Théoriquement, c'est facile à expliquer, à exprimer. C'est facile théoriquement, il y a un optimisme, mais en réalité, c'est changer de façon de penser. Et en réalité, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on change des façons de penser qui se sont développées pendant des millénaires, depuis le contrôle de la nature par nos ancêtres, la révolution néolithique, la socialisation de l'accouchement. Avant cette période-là, les femmes s'isolaient. On a assez de documents pour l'affirmer, grâce à des sociétés humaines qui ont gardé leurs caractéristiques paléolithiques jusqu'au XXe siècle. Et leur point commun, que ce soit en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, c'est que les femmes s'isolaient pour accoucher. Elles mettaient leur néocortex au repos. Mais après, avec la révolution néolithique, la domination de la nature par nos ancêtres, alors petit à petit, on a de plus socialisé de plus en plus l'accouchement, et puis on atteint un stade où la plupart des femmes ne peuvent plus accoucher par elles-mêmes. On en est arrivé sous l'effet, en grande partie aussi, du conditionnement culturel. C'est pas seulement que les femmes aujourd'hui sont dans un milieu qui stimule le néocortex, mais qu'en plus, les femmes d'aujourd'hui, elles ont derrière elles 10 000 ans de conditionnement culturel, ce qui est extrêmement puissant dans l'espèce humaine. Ça, c'est une autre caractéristique de l'espèce humaine. C'est que on n'est pas seulement, nos fonctions physiologiques ne sont pas seulement influencées par l'environnement dans lequel on est, mais qu'on a aussi comme agent
actif, on a aussi 10 000 ans de conditionnement culturel. Alors, c'est dire que c'est difficile, mais la priorité à ce sujet, c'est de comprendre ce tournant qui est une nouvelle façon d'aborder l'activité du néocortex, de ce puissant nouveau cerveau. Il peut être facilitateur, il peut être inhibiteur, mais il est toujours puissant. Voilà, voilà ce qu'on peut dire. Façon d'illustrer une façon de comprendre la nature humaine aujourd'hui. Alors là, je suis un peu frustré, Michel, parce que vous dites, bon, bah, il suffit de mettre au repos ce gros cerveau. Alors vous nous avez dit, le fait de laisser la femme isolée, l'isolation, le fait de la laisser tranquille. Mais vous avez assisté à des centaines, à des milliers d'accouchements dans votre vie. Est-ce que vous voulez nous donner autre chose? Parce que vous dites, il suffit de mettre au repos ce gros cerveau. Mais bien souvent, j'aimerais bien le mettre au repos, mon gros Ah, cerveau. je ne dis pas ça comme... je dis Alors, pas ça comme ça, je ne dis pas ça comme ça. Je alors dis dites. que la meilleure façon de réduire l'activité néocorticale, c'est de protéger la femme qui accouche, Ah la voilà. protéger, tout stimulant, c'est-à-dire essayer de ne pas l'exposer au langage, à la lumière, c'est important la lumière. C'est relativement facile, mais... dire, il ne faut pas parler à une femme qui accouche. En fait, on peut le dire de façon extrêmement simple. Il ne faut pas parler à une femme qui accouche. C'est pas compliqué. Théoriquement, ce n'est pas compliqué. Attention à la lumière. Bah, c'est très important à l'ère des lumières artificielles, hein, surtout les lumières artificielles modernes. Donc, il ne faut pas se mettre en face d'une femme qui accouche, puis la regarder. C'est du néocortical. En pratique, c'est très simple. En réalité, c'est extrêmement difficile parce que c'est penser autrement. Au lieu de vouloir aider, il faut simplement protéger. Ce que nous apprend la neurophysiologie, c'est qu'on ne peut pas aider un processus involontaire. C'est ça. Ce qu'on peut faire, c'est le protéger contre les effets inhibiteurs. Alors, c'est ça. La difficulté, c'est de changer de façon de penser. Ce n'est pas de l'expliquer, c'est de penser autrement. Et, mais l'accouchement, et vous l'aviez compris à l'avance, l'accouchement, c'est un exemple parfait et utile pour faire comprendre le concept d'inhibition néocorticale. Faire comprendre que le néocortex, c'est pas toujours un outil, ça peut être le contraire. De toute façon, il est puissant dans l'espèce humaine. Voilà, c'est une vision de l'espèce humaine, de ce qui est unique dans l'espèce humaine, de ce qui nous caractérise des primates très proches de nous sur le plan génétique, comme les chimpanzés. Génétiquement, nous sommes des chimpanzés. Mais qu'est-ce qui nous sépare? Ben, c'est ce puissant néocortex. Hein, penser que quotient céphalique du chimpanzé, il est 2,5, c'est-à-dire le rapport entre le volume du cerveau et l'ensemble du corps, 2,5 chez le chimpanzé, 7,5 chez l'être humain. Nous sommes génétiquement des chimpanzés, mais il y a une énorme différence. C'est ce puissant cerveau, ce puissant néocortex. Il faut toujours repartir de là quand on veut améliorer notre compréhension de la nature humaine aujourd'hui. Il faut partir de là. Ça. Et la naissance est une bonne occasion. Il y en a d'autres, mais une bonne occasion. Ben, en parlant d'une autre, il y a l'eau, notre rapport à l'eau. Vous avez énormément écrit sur l'eau, sur l'être humain et l'eau. Vous parlez beaucoup du chimpanzé marin. Vous êtes connu pour avoir initié les piscines d'accouchement. Et en particulier, vous avez beaucoup parlé de la natation chez le mammifère humain. Alors, quel lien vous faites, puisque c'est le sujet de notre petite conversation, entre naissance et natation? Et en tout cas, ce deuxième sujet, la natation chez le mammifère humain que nous sommes. En quoi c'est lié tout ça? Oui, bien là encore, pour comprendre une caractéristique un peu mystérieuse de l'être humain, il faut s'adresser à cette nouvelle compréhension de la physiologie du cérébral
et comprendre le concept d'inhibition néocorticale. Parce que l'être humain, il est très spécial. Il y a 5 000 mammifères, environ. Les mammifères, il y a une règle générale, tous les mammifères savent nager. Ils n'ont pas besoin de maître nageur. Hein. Ils n'ont pas besoin d'apprendre, même par l'expérience, on ne sait pas comment, mais par exemple, prenez une vache qui n'a jamais vu une rivière, vous prenez un groupe de vaches qui n'ont jamais vu de rivière, vous les jetez à l'eau, elles vont toutes nager. Elles savent nager. Et elles vont toutes nager de la même façon. C'est pas, il n'y en a pas une qui apprendra un style et puis une autre qui apprendra un autre. Elles vont toutes nager de la même façon. Alors là, quand on parle de natation, ben, on est obligé de se dire, ben, l'être humain, il est très spécial. Et on se pose même des questions. Est-ce que ça fait partie de la nature humaine de ne pas savoir nager ou est-ce qu'on a perdu cette capacité? Alors, il y a des théories, on va aller vite. Il y en a qui pensent que l'être humain paléolithique, c'est-à-dire avant la domination de la nature, savait nager et puis qu'on a perdu cette capacité. Il y en a qui pensent ça. Puis il y en a qui pensent le contraire. Il y en a qui pensent le contraire, qui disent l'être humain ne sait pas nager, peut pas nager, il se noie si on le jette à l'eau, mais il peut apprendre des techniques. Il peut apprendre des techniques, c'est un comportement appris. Alors ça, c'est un point de vue qui est déjà ancien. Par exemple, Platon disait, eh bien, un être humain éduqué sait nager, lire et écrire. Voilà, voilà sa définition de l'être humain. C'est-à-dire pour lui, c'est nager, c'est quelque chose qu'on a appris, comme à lire. Comme ça. Alors, c'est très difficile parce que c'est mystérieux. Il n'y a que l'être humain on peut comparer l'être humain qu'avec l'être humain, c'est très mystérieux. Mais il y a eu une étape très importante et qui est passée un peu inaperçue parce que trop précoce peut-être. Ça s'est passé en 1939. Dans The Journal of Pediatrics, c'est Myrtle McCroft en Argentine qui a fait un travail énorme. Et rétrospectivement, on peut dire, mériterait d'être très bien connu. C'est vraiment une façon de comprendre la nature humaine. Elle a observé les nouveau-nés. Elle a suivi avec des films 42 nouveau-nés. Elle a répété des films de comportement des nouveau-nés quand ils étaient dans l'eau. En tout, je crois qu'elle a fait quelque chose comme 450 films. Elle dispose de 450 documents filmés. Et alors, elle a mis en évidence quelque chose d'absolument essentiel et elle a su l'interpréter déjà. En 1939, 1939, elle a compris que un nouveau-né humain, si on le met dans l'eau, qu'on ne touche pas, qu'on n'essaie pas de lui soulever son manteau, etc., qu'on le laisse, il sait nager sur le ventre, il sait nager, et même dans l'eau, alors il a des mouvements natatoires qu'elle a bien décrits. Des bras, flexion, extension, des jambes, flexion, extension, etc. Il a l'air heureux, il a les yeux ouverts, il ne se panique pas, il va vers un endroit qu'il peut agripper. Elle a noté ça et elle a très bien compris qu'après l'âge de 3-4 mois, eh bien, ça devient différent. L'être humain se panique dans l'eau. Et il faut le sauver, il risque de se noyer. Et elle avait très bien compris que cette perte de la capacité de nager était liée à un certain degré de développement du néocortex. Elle avait compris cela en 1939. C'est passé inaperçu. C'est passé inaperçu. Or, c'est quelque chose d'essentiel pour comprendre la nature humaine. C'est qu'en fait, l'être humain, après un certain âge, perd la capacité de nager. Il doit apprendre. C'est un complément appris.
Alors, il apprend de différentes façons. Il n'y a pas toujours eu des maîtres nageurs. Il apprend par imitation. Et puis, il apprend une technique. Alors, il y en a qui apprennent la brasse, il y en a d'autres qui apprennent le crawl. En règle générale, il semble que dans les endroits où il y a de l'eau calme, c'est plutôt en Europe, les lacs, etc., etc., la brasse est plus fréquente, alors que le natation comme le crawl, c'est semble-t-il d'apparition plus récente, et c'est plutôt le long du Pacifique où il y a des grosses vagues, etc. Bon, passons sur les détails, c'est pas ça le sujet. Je dois dire que c'est un sujet que j'ai abordé dans un autre livre publié par Ressources Primordiales, dans le livre sur l'océan. J'ai publié Voilà, Homo un et la planète chapitre océan. Voilà. sur la natation dans l'espèce humaine, et j'ai rappelé ça. Qu'est-ce qui caractérise l'être humain? Qu'est-ce qui caractérise l'être humain? Ben, c'est pour un certain développement du néocortex, et il ne sait pas nager. Il faut qu'il apprenne une technique. Ce qui est un avantage d'apprendre des techniques, parce que un comportement appris est plus flexible. Il est plus facile avec un comportement appris, il est plus facile de s'adapter à des situations particulières. Alors, bien sûr, on pourrait faire beaucoup de diversions, l'évolution des techniques en sport, etc., etc. Mais là encore, une façon d'étudier la nature humaine, ce qui caractérise la nature humaine, c'est d'étudier la natation et faire connaître l'œuvre de Myrtle Macron, qui en 1939 avait compris le concept d'inhibition néocorticale. C'est ça. Personne n'a fait attention, c'est trop tôt, elle a parlé trop tôt. Mais on peut faire aujourd'hui, faire sauver de l'oubli son œuvre, c'est extrêmement important pour comprendre la nature humaine en général. Quand étudier la nature humaine, c'est étudier ses particularités et le fait que l'être humain doit apprendre à nager. C'est apparemment simple, c'est bizarre, mais on ne réalise pas cela. Et, donc, vous faites bien, c'est utile, quand on étudie la nature humaine, Tout à fait. de mettre ensemble des épisodes de la vie humaine qui peuvent être inhibés, comme C'est le sens ça. de l'odorat, comme la capacité de nager, la capacité d'accoucher, qui peuvent être inhibés par l'activité néocorticale. On est en train comment dire, de mentionner des clés nouvelles pour comprendre la nature humaine. Oui. Tous les philosophes, les intellectuels qui ont parlé de la nature humaine jusqu'à présent, ils n'avaient pas en général réalisé ce qui caractérise l'être humain. C'est ce néocortex puissant qui peut agir dans un sens ou dans l'autre, aider ou inhiber. Voilà. On Très est bien. à un tournant dans la compréhension de la nature humaine. Très bien. Ah ben, je vous remercie, c'est très éclairant. Alors, du coup, je vois bien les liens, cette interdisciplinarité qui nous fait aboutir à comprendre ces liens d'inhibition au niveau de l'accouchement et de la natation. Mais la petite surprise d'aujourd'hui, c'est que vous avez rajouté le mot transcendance. Alors là, comment vous faites le lien entre natation, accouchement et transcendance? Parce que là, ça éveille. Oui, mais d'abord, il faut peut-être donner une définition de ce que j'appelle les états émotionnels transcendants. Ce sont des états émotionnels qui semblent inhérents à la nature humaine, et des états émotionnels qui donnent accès à une autre réalité que la réalité espace-temps. Quand nous échangeons comme nous le faisons en ce moment avec nos néocortex actifs, bah, nous sommes dans la réalité espace-temps. Mais il semble que ça fait partie de la nature humaine d'avoir accès à une autre réalité, une réalité en dehors de l'espace-temps. C'est l'accès à la transcendance. Ça fait pas. Mais c'est le type d'émotion, les états émotionnels
qui donne accès à une autre réalité, la réalité espace-temps, jusqu'ici n'ont pas été étudiés dans le cadre des états émotionnels. On étudie les neurosciences, on étudie les états émotionnels, la colère, etc., etc., etc. Mais celui-là, on n'a pas étudié. Alors, il n'est pas étudié. Il n'est pas considéré comme... Il est ignoré dans le cadre de la neurophysiologie, etc. Il est ignoré. Eh bien, là encore, il faut l'étudier. Ça renforce une certaine compréhension de la nature humaine et du rapport entre le néocortex et une autre, ce qu'apporte une autre réalité. Enfin, il faut faire cela. C'est difficile. Là encore, il faut sans doute faire allusion à cette grande crise qu'a connue l'humanité il y a environ 10 000 ans, quand nos ancêtres ont commencé à dominer la nature, c'est-à-dire après les ères paléolithiques. On a assez de documents pour dire que dans les ères paléolithiques, les êtres humains avaient accès à la transcendance, que c'est sans doute une particularité de l'espèce humaine en général. Alors, on peut donner des exemples. Le fait qu'il y ait eu des Vénus, par exemple, des statues de Vénus, dans toutes les ères paléolithiques, quelle que soit la phase de l'ère paléolithique que l'on considère, on trouve des Vénus, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, en Sibérie. Il y a toujours eu des Vénus. Des Vénus qui avaient une caractéristique. On mettait en exergue tout ce qui touche la reproduction. Les gros seins, les grosses vulves, les gros abdomens, les hanches, les grosses hanches, etc., les grosses cuisses, etc., etc. Et c'était universel. On peut penser que la mère, la figure maternelle, c'était en quelque sorte l'être créateur primordial, féminin. Voilà ce qu'on peut on doit penser. Et puis, après, il y a eu la révolution néolithique, la domination de la nature. Alors là, tout a changé. Les sociétés, les groupes humains ont dominé la nature, c'est-à-dire ont aussi socialisé l'être humain, domestiqué l'être humain. Ils ont régulé l'accès à la transcendance. Avant la révolution néolithique, il semble que l'accès à la transcendance, c'était quelque chose de privé, qui existait, mais dont on ne parlait pas. On ne parlait pas. C'était un fait personnel. Mais à partir de la révolution néolithique, alors là, on a domestiqué l'accès à la transcendance. Et on l'a domestiqué de telle sorte que des institutions ont régulé l'accès à la transcendance en indiquant les accès possibles, les accès recommandés, et puis en essayant de mettre sous silence les accès qui n'étaient pas recommandés. Alors d'abord, on a socialisé. On a socialisé l'accès à la transcendance. À partir de ce moment-là, alors que précédemment, les femmes, c'est une expérience solitaire, l'accès à la transcendance, on en parlait très peu. À partir de ce moment-là, eh bien, il y a fallu des lieux où les êtres humains se réunissaient pour avoir accès ensemble, de la même façon, à la transcendance. Il y a eu les églises, il y a eu les temples, il y a eu les cathédrales, il y a eu les mosquées, il y a eu etc., etc., genre synagogues, etc., etc. Donc c'est devenu un phénomène public, l'accès. C'est en public. Ce n'était plus
une expérience solitaire, c'est le plus en solitaire. Et on a régulé. Alors, selon le milieu culturel, on indiquait les voies permises, si on peut dire, ou recommandées, ou laissait la connaître. Bien, il y avait la prière, par exemple, il y avait le jeûne, il y avait le chant, il y avait la musique, certaines herbes, les propriétés, etc., etc. Donc, on a régulé. Voilà, à partir de certains moments, ça s'est passé comme cela. Et puis, on a aussi mis de côté, rendu difficile ou inacceptable certaines façons d'accéder à la transcendance. C'est-à-dire d'être dans un état extatique, orgasmique, qui donne accès à une autre réalité que la réalité espace-temps. Alors, il est certain que lorsqu'on pense en physiologiste, a priori, le type même, le prototype peut-être le plus de l'état extatique, il peut donner accès à une autre réalité que la réalité espace-temps, c'est le réflexe d'éjection du fœtus. C'est les femmes qui accouchent par elles-mêmes, en général, quand elles sont dans un coffre. Quand l'accouchement n'est pas socialisé, ce qui est devenu extrêmement rare et difficile à comprendre aujourd'hui, qui accouche dans un état extatique. Et il y en a encore occasionnellement, ça peut encore arriver. Et ces femmes-là nous disent à quel point elles ont été transformées par cette expérience. C'est très rare. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de réflexe d'éjection du fœtus. Si une femme accouche par elle-même, elle aura une deuxième phase de l'accouchement et aura besoin de mouvements volontaires. Il faudra pousser volontairement. Donc, c'est difficile à comprendre aujourd'hui. Mais ça semble être, parmi les états extatiques orgasmiques, le type même, le prototype de l'événement qui donne accès à une autre réalité que la réalité espace-temps. Alors, ça, non seulement c'est pas étudié, mais en plus, depuis des millénaires, c'est déprécié, c'est découragé. Et il y a beaucoup de façons de le dire. Une façon très simple, entre nous, de dire cela, une façon très simple, c'est de souligner que tout ce qui touche aux organes de reproduction, c'est associé à la honte. Par exemple, dans presque toutes les langues, les nerfs et les artères qui vont aux organes génitaux sont en français, ce sont les nerfs honteux, les artères honteuses. C'est la honte, c'est déprécié. En anglais, c'est pudental, qui vient du mot latin pudental, arteries, pudental, nerves, qui vient du latin pudere, qui veut dire avoir honte. Il y a d'autres exemples. L'os du pubis en chinois, on m'a dit que ça voulait dire l'os de la honte, quelque chose comme ça. C'est ça. Ben, donc, les milieux culturels ont dévalué, ont déprécié cet accès à la transcendance et ont indiqué les accès permis. Les accès permis. Voilà ce qui est. C'est une raison, tout cela, de faire un parallèle avec l'accouchement. C'est en même temps qu'on a socialisé l'accouchement. C'est en même temps, ça va de pair, ça va de pair. Alors, voilà pourquoi j'ai décidé d'associer cela. Ça peut paraître bizarre, mais comme une façon de comprendre une caractéristique humaine, c'est d'avoir des états émotionnels qui donnent accès à une autre réalité que la réalité espace-temps. Mais ce sont des expériences solitaires, c'est à l'origine, etc. Alors, bien entendu, c'est un sujet très difficile à étudier.
parce que ça a été tellement transformé par les milieux culturels. Il y a des différences dans les milieux culturels, mais finalement, les points communs sont plus frappants que les différences. Et puis, l'une des difficultés, c'est qu'il semble que l'accès à la transcendance varie selon l'âge. L'âge où apparemment c'est le plus difficile, c'est l'âge adulte. C'est après l'enfance, avant peut-être l'âge vieillard. Il semble que ce soit le moment le plus difficile, mais avec des différences sur les hommes et les femmes. C'est l'âge où les femmes accouchent, pourraient avoir accès à la transcendance en mettant au monde leur bébé, en allaitant, le réflexe d'éjection du lait. J'ai des anecdotes très significatives de femmes qui ont cessé d'allaiter parce que elles ont eu une réaction orgasmique lors du réflexe d'éjection du lait, alors qu'elles allaitaient un garçon. Elles ont eu un état assez. Et je connais des femmes qui ont cessé d'allaiter, elles étaient honteuses. Elles étaient honteuses. Donc, à l'âge adulte, c'est très différent. Les femmes ont sans plus accès, facile accès à des états transcendants qui, maintenant, bien sûr, on neutralise, mais certaines, de temps en temps, ont quand même accès. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, les hommes, c'est différent. Ils n'ont pas les mêmes expériences, mais ce sont eux qui organisent la transcendance. Ce sont ceux qui établissent les règles et qui organisent la transcendance. C'est pour dire que c'est difficile à étudier parce qu'il faut étudier l'âge, le sexe, etc. Les enfants, semble-t-il, ont accès facile à la transcendance. Dans le Nouveau Testament, Paul, faites venir à moi les petits-enfants. Eux, ils ont accès à la transcendance facile. Et puis, le catéchisme, c'est pour les enfants. Ils vont comprendre. Et puis, il y a aussi le vieillage, les octogénaires, les nonagénaires, qui ont de nouveau des accès peut-être plus faciles à la transcendance. Il y a un gérontologue du Psala en Suède qui s'est intéressé à l'accès à la transcendance chez les gens très âgés. Et il établit des scales, des échelles de mesure de la gérontotranscendance. Il s'est intéressé à l'accès à la transcendance chez les gens très âgés, très âgés. Donc, voilà, donc c'est un exemple d'étude, quand même, scientifique de la transcendance. Mais dans le cas particulier des gens très âgés, la gérontotranscendance. Et il a établi des scales, des échelles, en quelque sorte. Donc, c'est pour dire que c'est très difficile à étudier. Mais je considère un événement qu'il faut sortir de l'oubli pour comprendre l'accès à la transcendance en tant qu'expérience solitaire, en fait, après des millénaires de socialisation. On a un document très significatif, mais il est presque ignoré. Même aujourd'hui, où Blaise Pascal est d'actualité, même le pape récemment a vanté l'œuvre de Blaise Pascal, alors que le pape est à l'origine jésuite, eh bien,
Il a apporté quelque chose de très important, Blaise Pascal. Blaise Pascal, c'était avant tout un génie en mathématiques. C'est à lui qu'on doit le calcul des probabilités, des choses comme ça. C'est extraordinaire. Son nom, c'est un mathématicien ultra génial, etc. Mais il y a un événement dans la vie de Pascal qui a une extrême importance. C'est que quand Pascal a eu 31 ans, avait 31 ans, une nuit, au début de la nuit, entre 10h du soir et minuit en gros, il a eu une expérience mystique. Il n'en a jamais parlé. Même à ses deux sœurs, alors qu'il était très lié avec ses sœurs, même avec des amis très intimes avec qui il se confiait, il n'a jamais parlé de cette expérience mystique, restée inconnue, mais qui a été révélée. Alors, ça se passait quand il avait 31 ans. Après sa mort, il est mort à 39 ans. Après sa mort, ça a été révélé d'une façon fortuite. Après sa mort, un serviteur a remarqué que dans une poche de sa veste, il y avait quelque chose de dur, une drôle de consistance. Il ne sait pas ce que c'était, une poche fermée. Il l'a coupée, l'a ouverte. Il a trouvé un document en deux exemplaires où Pascal révélait son accès mystique quand il avait 31 ans. Il en parlait à ce moment-là ouvertement, mais comme quelque chose de caché, dont il n'a jamais parlé à personne. Et c'est seulement quand il est mort que par hasard, un serviteur, au lieu de jeter sa vieille veste, l'a coupée. L'a coupé. Et donc, c'est ainsi qu'on apprend caractéristique cet épisode mystique. Mais ce qui est très important, c'est que pour lui, l'accès à la transcendance, c'était une expérience solitaire. C'était une expérience solitaire. C'est comme le réflexe d'éjection du fœtus, comme ça, c'était une expérience solitaire. Il n'en a jamais parlé à personne. Et c'est après cela qu'il a écrit les pensées de Pascal, qui n'ont été publiées qu'après sa mort, d'ailleurs. Et alors, c'est là qu'il a introduit une compréhension de la nature humaine, qui est une anticipation extraordinaire. Et ça nous ramène à notre sujet. Dans les pensées de Pascal, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il comprend la dualité de la nature humaine. Il y a le cœur et la raison. La raison, c'est l'espace, la réalité espace-temps. C'est la raison. Mais il y a autre chose que la réalité espace-temps. Alors, à l'époque, bien sûr, il ne pouvait pas parler d'inhibition néocorticale, il pouvait pas. Il utilisait le vocabulaire qu'il avait à sa disposition. Il était influencé, bien entendu, par la chrétienté, le catholicisme, etc. etc. Il utilisait le vocabulaire de l'époque. Mais il avait compris la dualité humaine sans utiliser notre vocabulaire. Et c'est l'origine. Cette crise mystique est sans doute l'origine des pensées. Le mathématicien génial a écrit un livre, a écrit, oui, les pensées, c'est-à-dire des œuvres, c'est pas un livre, c'est des œuvres, où il opposait deux facettes de l'être humain. Deux facettes, il y a le cœur et la raison. Alors tout ça, ça peut être traduit en langage moderne. Alors, le livre de Xavier Patier s'appelait Blaise Pascal, La nuit d'extase. Il a été publié en 2014 par les éditions Le Cerf, en français.
Pour moi, c'est énorme, comme énorme. Il avait en quelque sorte compris l'inhibition néocorticale. Il avait compris la nature humaine. Blaise Pascal est d'actualité. Je dois dire que j'ai dédié mon livre, notre dernier livre, à Blaise Pascal. Il est d'actualité. Le pape a parlé de lui, etc. Mais on a passé sous silence ce qui, sans doute, est le plus important de son œuvre. C'est qu'il a compris l'accès à la transcendance. Il appelait ça l'expérience mystique, peut-être, je ne sais pas quel vocabulaire, mais c'était l'accès un état émotionnel qui donnait accès à une autre réalité que la réalité espace-temps. Alors, Paul, je dois vous remercier par les questions judicieuses que vous avez posées. Je crois que nous avons introduit l'avenir peut-être de ce que sera notre compréhension de la nature humaine. C'est-à-dire que nous avons traduit en langage moderne le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. C'est à peu près ça. Et je dois dire que mon fils s'appelle Pascal. C'est pas par hasard, mais je ne savais pas encore à l'époque, j'étais pas encore au courant de l'expérience mystique de Pascal quand on lui a donné son nom. On a donné à mon fils le nom de Pascal, je ne savais pas encore, mais les motivations se sont renforcées depuis. Eh bien, merci d'avoir permis ce conversation entre nous deux, une conversation presque indispensable pour des étudiants en nature humaine. On est un tournant dans notre compréhension de la nature humaine. Donc, je dois vous remercier d'avoir permis cet échange. J'entends pas. Je n'entends pas. Vous m'entendez? Vous m'entendez, Michel? Ah, cerveau, vous êtes revenu. Ah oui, voilà. Oui, J'avais alors, cessé de vous entendre. oui, il y a eu un petit bug de mon côté, effectivement. Je vous remercie pour d'avoir fait le lien entre ces sujets. Et c'est passionnant, effectivement, c'est très intéressant ce lien entre ces sujets. Et comme vous avez raison de le dire, ça intéressera beaucoup les lecteurs de Ressources Primordiales, parce que c'est des liens qui nous sont très chers. Et je vous rappelle qu'on peut retrouver ces idées et bien d'autres encore dans votre livre qui sort au mois de novembre, qui s'appelle, et maintenant on comprend bien le titre et les sujets qui seront abordés, L'humanité survivra-t-elle à la naissance socialisée? Et donc je vous remercie. Merci beaucoup Michel d'avoir éclairé notre lanterne sur ces sujets-là. Merci à vous. Bonne journée, bonne journée. Merci, merci Michel. Ciao. Alors.